Aujourd'hui, on va vous faire voyager en Asie avec Sylvia Braca, gérante du célèbre restaurant Wang's, une adresse devenue incontournable pour les friands de cuisine chinoise et japonaise. Toi, Sylvia, tu as toujours été dans le monde de la restauration Non, j'ai travaillé dans le textile. Et comment es arrivée dedans Bah écoute, par hasard. Par hasard, je suis partie manger un soir au restaurant. J'ai trouvé ce restaurant qui était alloué et j'ai dit à mon mari, écoute, pourquoi pas un restaurant chinois D'accord. Ça m'a pris comme ça. Mais pourquoi la cuisine asiatique Parce que j'aime J'aime tout ce qui est asiatique, j'aime le manger asiatique. Vrai ça que... me plaît et il y en a pas partout. Qu'est-ce qui te plaît dans la restauration du coup ben Moi j'aime le relationnel. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas dans la restauration qu Ce qui ne me plaît pas c'est qu'il y a beaucoup de stress. Il faut être toujours présente. Pour satisfaire le client. Tout à fait. Tout et, à fait. Et pour toi Sylvia, c'est quoi les qualités que doit avoir un bon patron ou une bonne patronne de restaurant ouais. Il faut tout gérer soi-même. Et être à l'écoute du client, surtout à l'écoute du client. Il faut s'imposer aussi en tant que femme, voilà. Aujourd'hui, voilà. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais bon, après. C'est exactement euh... ça. Et si on parlait un peu de la carte Est-ce que vous avez des, des spécialités J'ai vu que tu m'avais ramené pas mal de, de en petits plats. En spécialité, oui, on a beaucoup de spécialités. On a une carte très euh, très large. Donc, on fait beaucoup le poulet miel piquant. Mm -hmm. On est spécialisé dans les vapeurs. Les vapeurs que tu m'as ramené ici. Voilà, et surtout les nems qui sont faits maison. À ce qui paraît, c'est les meilleurs naines de Paris, oui, c'est vrai? Ils sont faits maison et ils sont excellents. Tu m'as dit que tu étais gérante. Je crois qu'il y a ton mari aussi, Didier, qui t'accompagne. Tout à fait. Il est là tout aussi. À fait, hein. Tout à fait. Vous vivez tout ensemble, à fait. On vous travaillez ensemble. ensemble. On ensemble, travaille ensemble. Pas trop dur, pas de tension. Il bah, y a des tensions, bien sûr que oui, on ne va pas dire non. C'est vrai. D'accord, mais ça fait partie du jeu. Et je trouve que c'est pimenté. C'est euh, sympa. Comme les plats, comme Exactement. les sauces. Exactement. <laughs> Taille. <laughs> Est-ce que tu donnes un défi chaque jour quand tu arrives au restaurant? Tu te dis. Euh, Alors oui. Quand j'arrive au restaurant, il faut que tout soit clean. On ouais. commence par que tout soit clean. Je veux que tout soit bien rangé. Alors dis-moi Sylvia, l'été arrive, on pense déjà au summer body. Hein. Est-ce que as, as... c'est quoi les plats légers euh, On Alors, peut nos prendre plats chez à toi. à la base ils sont légers. Tes plats sont légers. Ouais. Légers complètement. Ça, Ou en... Oui, le poulet sauce, quoi, citron, le poulet miel piquant, on va dire non. La lourde. Mais à la base, à la base moi, les, les, mes plats à moi sont totalement légers. Pourquoi Parce qu'ils sont faits à base de à soja moi ouais, c'est ça. Il n'y a pas de matière grasse. Je le précise parce que je le dis aux clients tous les jours. Il y a du japonais, donc il y, il y, aussi y a aussi des californiens, des, japonais, des on sushis. Fait les, les, Voilà, exactement. On fait les sushis, les tartares, les sashimi tout ce qui consiste le japonais. Mmh, en tout cas, ça donne faim. Ah. Alors, <laughs> tu communiques beaucoup sur Instagram. J'ai vu, oui. tu partages un peu oui, tes recettes, oui, tes, oui. tes menus. J'aime me faire entendre, j'aime faire voir ce que je fais. C'est important pour toi d'impliquer la communauté Tout à fait. Comment tu fais Raconte-nous. Je me mets à fond. On sent que le restaurant existe, as oui. bien une petite anecdote à nous raconter. Quelque chose de fou qui s'est passé. Comme au ça, monde. comme ça, qu'est-ce que je peux dire Pfff. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que c'est devenu une grande famille. Oui. Donc, j'ai vu des gens depuis le début qui sont toujours avec nous, qu'on voit leurs enfants, les enfants mariés, les enfants grandir. Et je trouve que c'est devenu euh, toute une famille, le Wangs. C'est beau. Voilà. Vous faites aussi de la livraison, je crois. Tout à fait. Euh, et, donc, de et de l'emporter. Et de l'emporter, oui. Avec l'application d'Alogi. Tout à fait. C'est Alogi qui, quand on, on veut commander, on passe par Alogi sur la tablette. Et c'est top. Euh, bah Sylvia, écoute, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un conseil euh, à donner à celles et ceux qui nous regardent, parce que tu sais, sur Allogie, on met en avant les restaurants, on les aide, on les soutient, euh, on leur apporte de la visibilité. Un conseil à donner aux gens qui aimeraient se lancer ou qui ont déjà un restaurant et qui doutent euh, certaines fois Il euh. ne faut pas douter. Il faut pas ah. douter. Quand on veut quelque chose, on y va, on fonce. On pense à rien. Il faut y aller. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne connaissais rien à la restauration. Et aujourd'hui, voilà, là, de, je suis là. Le Wangs à 11 ans. Le Wangs à 11 le ans, à 11 Il cartonne. ans et voilà. voilà. Et je suis très fière de oh. ce que je suis devenue. Et vous êtes aussi porte de Charenton. Porte de Charenton, Ça, Paris douzième. Voilà. Paris 12e d'accord. C'est un quartier quand même assez dynamique. Sympa. Tout à fait. Ouais. ouais. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir raconté avec ton plaisir. histoire, de avec tous plaisir. ces plats. Euh, vous n'êtes pas là, mais franchement, euh, il, il faut goûter. Il faut goûter. Donc réservez sur allogie sur à Le Wangs. Tout à fait. Merci Sylvia. Merci à vous. C'était Le Wangs pour allogie le live. À très bientôt.